Et hop les gars, on se retrouve pour un nouveau guide de trophée sur Space Roguelike Adventure. Petit jeu paye 4A. Allez. Petit jeu paye 4A avec platine en 10 minutes avec un cheat code. Allez. Allez. Ah, c'est à peu près le même cheat code que chaque jeu. Vous voyez, c'est haut, bas, bas, haut, droite, gauche, gauche, droite, carré. C'est à peu près le même à chaque fois. Donc voilà, on va aller à New Game. Sur triangle, voilà. Là, on va faire le cheat code haut, bas, bas, haut, droite, gauche, gauche, droite, carré. Voilà. Là, on va passer à God Mode. Voilà. On va refaire haut, bas, bas, haut, droite, gauche, gauche, droite, carré. On va appuyer level complete. On va le refaire. Haut, bas, bas, haut, droite, gauche, gauche, droite, carré. Pour les coins, on va prendre 5000. Voilà. Là, on va aller au magasin. On va acheter une armure. Voilà. Une arme. Voilà. Un implant. Une boisson, un bracelet, voilà. Et là, on va rentrer dans le portail, voilà. Et normalement, on va finir le level 1. Et normalement, on fait hop hop en bas. Voilà, on appuie sur R1 et on passe les niveaux. Voilà. Voilà, on passe au level 4. Passer au 6. Allez, level 9. Level 10. Level 11. Level 12. Level 13 et on a fini le jeu. Donc on va voir les trophées qui manquent. D'accord. Donc je pense qu'il manque des boss. Voilà, on va continuer. Voilà, jusqu'à avoir tous les trophées des autres boss. Voilà. Level 17. Jumping Kido. Sauter 10 fois. Il faut sauter 300 fois. D'accord, ça va être long. Donc il va falloir casser des items. Voilà.
cacher, on va casser des items de partout. Voilà. On va casser tous les items qui traînent. Voilà. Breaking 10 items. Voilà, level up, stamina. Ça, on est en god mode logiquement, donc on peut pas se faire toucher. Voilà, on va continuer. Allez, on continue à sauter pour avancer le trophée. Allez, on continue. Level 24. On a un god mode. Voilà, ça c'est une... Voilà. C'est un autre boss. Voilà. Il reste encore 3 boss. Après, il me manque quoi? Ben, sauter. Voilà. Ben, il manque. Merde. Qu'à sauter. Voilà. Voilà, on continue à avancer jusqu'à... Il reste encore 2 boss. Donc vous faites qu'appuyer sur R1. Voilà, un boss de plus. Voilà, il en reste 2. Voilà, merde. Voilà. Donc il va falloir quand même continuer à sauter. Voilà, 72, ça veut dire qu'il faut aller jusqu'à 300. Donc il y a quand même du chemin. Donc allez. Donc voilà, on continue quand même de temps en temps. Je pense qu'il faut aller à level 60. Allez, on continue à sauter. Moi, bon, c'est un truc un peu relou, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est pas un problème. Hein. Allez, on continue. R1 43, allez on continue. On va faire encore 2 boss et à partir de là on finira le jump. Voilà, je pense qu'à 50 on aura un boss de plus. Voilà, donc là à 50. On a toujours pas de boss. Donc on continue. Voilà. Boss golem. Ok. Donc il doit rester 2 boss et les sauts.
Allez, de toute façon, à 300, le trophée tombera. Après, il y aura juste à passer pour les boss. Après, si vous voulez pas tout faire d'un coup, il y a encore deux boss à tomber. Donc, j'en fais un peu et après, hop, je continue. On continue à passer, level 55. Allez, on appuie sur R1 pour continuer. 56. Oh, à peu près 70, 80 niveaux. Allez, on continue. Là, de toute façon, il devrait rester deux boss. 61. Allez, on continue à appuyer. C'est relou, mais c'est le plus court possible pour pouvoir avoir ce platine. Voilà. Hop, on s'en fout. Voilà, donc il doit rester... Ah non, c'est le dernier boss. On skip. Et j'ai pas fini les sauts, donc ce qu'on va faire... Donc, hop, 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 je peux pas passer. Donc, ne faites pas comme moi. Finissez les sauts avant le dernier boss. Je croyais qu'il en restait deux, mais en fait, il en restait que un. Donc, voilà, donc on va continuer. On va choisir un niveau. Voilà, on va continuer à sauter jusqu'à que le platine tombe. Et voilà. Voilà. Voilà, allez, on continue. Voilà, pour le platine. Donc là, fini avec le trophée qui va tomber, ça sera platine. On sera presque à 10 minutes. On a dépassé les 10 minutes, mais voilà. J'ai traîné un peu parce que j'ai pas fait les sauts avant, ou sinon j'aurais déjà fini. J'ai fini le jeu, donc on a perdu un peu de temps, mais voilà, entre 10-15 minutes, ça devrait être bon. Voilà. Jumping Star et Platine Final Frontier. Voilà, moins de 15 minutes. Pour ce guide des trophées, voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour vous aider à faire ce platine. C'était Croc 24, c'est tout pour moi. Allez, bye.